tu vas faire quand tu seras niveau 2 ? Quand j'aurai mon niveau 2, j'achèterai un duvet pour dormir dans les donjons sans jamais m'enrhumer. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a des gobelins à saigner. Quand j'aurai mon niveau 3, j'achèterai un carquois. J'y mettrai des flèches magiques du genre qui t'arrache un bras. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a des squelettes à poutrer. Quand j'aurai mon niveau 4, j'achèterai un cheval. Je sais pas vraiment monter, tant pis ça m'est égal. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a des orques à décimer. Quand j'aurai mon niveau 5, j'achèterai des parchemins pour lancer des sortilèges, même si je suis pas magicien. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a des momies à cramer. Quand j'aurai mon niveau 6, j'achèterai une armure. C'est moins facile de courir, mais on évite les fractures. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a des trolls à bousiller. Quand j'aurai mon niveau 7, j'achèterai un anneau qui donne plus de en charisme et la puissance d'un taureau. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a des minotaures à tuer. Quand j'aurai mon niveau 8, j'achèterai une baliste pour assiéger les donjons des nécromancultistes. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a des lichards éventrés. Quand j'aurai mon niveau 9, j'achèterai une vorpale pour arracher aux dragons cette partie génitale. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a un dragon pour tester. J'achèterai des pansements pour corriger les erreurs du niveau précédent. C'est surtout ça, la vie d'aventurier. Je rentre chez moi, ma carrière est terminée.
Bonjour à tous les amis, ici votre tavernier, comme toujours, et bienvenue pour nouveau stream sur Yakuza Like a Dragon. Alors ce matin on n'a pas fait du Warhammer. Eh oui, car des fois la vie prend le dessus et du coup la vie IRL et impose des contraintes, notamment quand on dort 3 heures dans la nuit. Bon là, papy tavernier avait besoin de se reposer, très honnêtement. Ce matin, je tenais plus en place, j'ai galéré à amener ma fille à l'école, je me suis dit il serait peut-être pas raisonnable de faire un stream ce matin, il faudrait peut-être aller dormir tant que tu le peux. Donc du coup j'ai dormi et me voilà en pleine forme, parmi vous, de retour pour du Yakuza. Est-ce que c'est bon, ça a envoyé des bons trucs, Yakuza Like a Dragon, cœur du jeu. On peut éteindre la musique, on va lancer ça immédiatement. Sans aucune transition. Je vais mettre les deux oreilles dans le casque. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Du coup. Petite modification du programme. Demain matin, on était censé faire du Warhammer. Ben, Warhammer, on le met à la poubelle. Demain matin, nous allons faire. Un stream coopératif sur Vermintide 2 avec notre très cher et bien-aimé de tous, Miss Nogan. Miss Nogan qui est un vidéaste que vous retrouverez essentiellement sur YouTube, mais aussi un petit peu sur Twitch. Quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil. Avec qui on va faire ça. On a aussi le griffon enchaîné. Déchaîné. Je ne connais pas trop. C'est un ami avec nous. Et nous allons aussi streamer avec lui. Donc on sera 3. Voire peut-être 4 avec un dernier invité. Idéalement, ce serait Forgot. Mais j'ai comme un doute quant à sa disponibilité. Je suis pas sûr qu'il soit là. Surtout que Forgot, c'est pas du tout dans ses horaires de stream. Donc on verra. On verra s'il sera disponible. En attendant, on retourne tranquillement sur notre jeu préféré. Hop là, je vais plutôt mettre de l'autre côté, ce sera beaucoup mieux. Il fallait qu'on aille là-bas. On faisait des quêtes secondaires, c'est vrai. Souvenons-nous-en. Et on était en train en même temps de EP nos personnages. Fallait aussi qu'on cherche du papier toilette. Vous vendez du papier toilette? Non, pas du tout. Zéro papier toilette en vente. Je sais pas si on aura grand monde aujourd'hui, ça m'étonnerait. Vu que j'ai pas streamé ce matin, ça m'étonnerait qu'on soit réellement très nombreux. Adoré. Ah, c'est vrai qu'il y avait les courses. Ah, mais les courses, on va pas faire ça de suite. 50 000! J'accepte bien évidemment de l'aider. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de raqueter cette merde. Oh, je me merde, je me suis trahi! Tu vas crever, enfoiré! Premier fight. Fondateur suspect. Ça va crever tout ça. Ah, c'est deux coups. D'accord. Allez, on l'achève. C'est vrai qu'on a notre croupière. Ça m'avait fait beaucoup marrer, ça, la dernière fois. Il chante de manière sinistre. Oh non, il souffre de silence. Petite attaque poivrée. Allez. Lui, normalement. Voilà. Ichiban avec une bonne attaque au corps à corps est largement suffisant. Et lui, on va juste le bolosser. Comme Jaja. Il a du PV quand même, hein, le petit coquin. On l'enchaîne. Va falloir aussi qu'on pense à augmenter nos relations avec nos personnages, qu'on fasse un petit peu l'entreprise.
On a beaucoup de choses à faire hein, sur Yakuza. On n'est pas pris le finir. À mon avis, on a fait la moitié, je pense. En vrai. Je pense qu'on a dû faire bien la moitié du jeu. Il risque d'y avoir pas mal de farms. Sujdex, le fondateur suspect. Wow, Partamiro, j'ai vite et bien. Je parie que FX serait arrivé juste à temps pour le voir me mettre dans un clé. Merci beaucoup. Bah de rien, mon gars. 50 000 yens. Appel à l'aide. Va falloir qu'on aille ramener le chat aussi. On va peut-être juste lui donner un petit sandwich avec Jiban. Oh, attendez, il y a l'autre qui revient faire. Il a une quête. Oh, il a un tigre maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue au grand animal Circus. Nous organisons un nouveau spectacle aujourd'hui. Venez saluer nos animaux. Ils sont impatients de vous rencontrer. J'arrive pas à croire que j'ai dû me battre avec cet ours. Un autre spectacle avec un autre animal, ça botte bien, je devrais aller voir ça. Pas le tigre. Souvenez-vous, le tigre, c'est vénère quand même. Salut. Yo, yatteru na. Oh, Kosuga-san. この前はどうもありがとうございました。カトリーヌちゃんのショー大盛り上がりでしたよ。そうか。そいつは良かったな。今日は何をやるんだ?熊じゃないんだろ?ええ。今日はこの子、虎のシャルロットちゃんです。ほう。なかなか立派な虎だな。でしょ?毛並みもいいんですよ。春日さんも今日は触れ合っていってください。手を出すとお手をしてくれますよ。 On parie combien qu'elle va sortir. Ouais, le fameux entraînement spécial. ちょうどご飯を持っててから少し分けてあげるよ。はい。お食べ。へえ。手慣れたもんだな。でしょ。私くらいにもなると初対面の動物とだって分かり合えるんですよ。On a vu ça la dernière fois avec l'ours. 外国語よりも動物語の方が簡単に思えちゃいますね。うん?もっと食べたいの? ああ、でももうダメだよ。栄養の取り次ぎは逆に良くないからね。また今度おいで。こんな感じで飼育している動物だけじゃなくて、野良猫とか鳥とかよく寄ってくるんですよ。自分じゃ特に意識していないんですけど、Salut tout le monde. 親しみやすい何かがあるのかもしれませんね。ああ。うん。 Et non, je ne peux pas aujourd'hui. Ça se passe bien. Je me suis dit, tu vas voir. Si je vous ai senti venir à 2 km, je me suis dit, tu vas voir que si tu streams, les deux, ils vont se rappliquer. Ça allait bien? Ça avance? En vrai, bah ouais, on s'éclate. En vrai, vaut mieux pas que je vienne aujourd'hui. Bah si t'étais venu, c'était mieux. Non, valait mieux pas. valait mieux pas. Bon, j'aurais pas pu de base, mais comment vous expliquer? Dans l'école de ma fille, dans sa classe, il y a 4 cas contacts de Covid. Donc là, ils sont en train de faire les tests. S'il y en a un qui est positif, bah, j'aurais été qu'un contact. Petit McDonald's.
Ah, toi, tu sais, toi, tu sais comment me parler. Hein. Ouais, mais imaginez qu'il y avait un des enfants de ma fille qui était contaminé. On ne sait pas encore, ils vont voir les tests, ils vont voir les réponses aujourd'hui d'ailleurs. Mais s'il y en avait un qui était contaminé, du coup, j'aurais été qu'en contact. Du coup, vous auriez été vous-même qu'en contact. Ça aurait été con quand même. Ça aurait été con une semaine avant, enfin 2 semaines avant l'ouverture. Oh, laissez-moi jouer! M'avez compris, quoi. T'es prêt à répondre au 10, à reprendre le 19? Ah, ça va être compliqué pour moi. Hein. Voilà, elle est sortie. Sera obligé. Les gars, si par contre, si vous voulez parler de ça, il vaut mieux pas en parler en stream. T'es dans la merde si tu savais. Ah bon? Il y a 3 départs. Vas-y, Zizon. Cette guette, c'est un bordel. Ah ouais, c'est le bordel à chaque fois, Zizon. Ça va, Zizon? T'étais pas en stream, toi? Bah par toi ça va être doux les coups. Oh t'inquiète disons, on maîtrise. Qu'est-ce qu'on lui fait? Bah la fameuse baïonnette de Banshee. Je sais pas quand je pourrai un nouveau perso. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe, disons? Petite couture de l'ombre. Ça c'est niveau 29. On va tout lui balancer sur la tronche. Meilleur jeu. Allez, on va le faire cuire à point. Bon, ça va, on s'en sort bien contre Charlotte, le tigre agité. Ouais, on va la changer, on va mettre quelqu'un d'autre après à la place. Là. Tiens, prends la gifle du fortuné. Petite attaque. Ah non, je peux pas faire l'attaque poivrée sur lui. Bon, on va faire le feu. C'est pas le pire. On verra. On verra au fur et à mesure, dis donc. Bah du coup, Vodka et ITV, on en parle si vous voulez, mais pas sur le stream. Hein. Elle, je vais la changer et je vais mettre Adachi à la place. Ça. Qu'est-ce qui met des dégâts lui par contre? Bon, qu'est-ce qui t'arrive alors, disons? Les études, hein? C'est ça? Qu'est-ce que je peux lui faire, lui? Je peux pas faire ça. C'est un truc perso. D'accord, hein.
Mais genre c'est tous les tous les streams ou c'est juste pas, c'est juste par rapport à Yakuza. C'est tous les streams, je présume, disons. Je suis en train de balancer tous mes PM sur ce, sur cette bestiole. Non létal, je rappelle. Tous, ouais. Ah d'accord. Bah, j'espère pour toi que ça va s'arranger. Hein. Je crois que j'ai un truc qui avait marqué éclat du 2 martial, j'ai récupéré. C'est comme ça qu'on fait avec les animaux, on les tabasse jusqu'à ce qu'ils rentrent. Médaille d'honneur. Super. On se bat contre un tigre et on a les médailles. それよりカスカさん、もう少しでシャルロットちゃんのショーが始まりますけど、見ていきませんか。お席、今日はちょっと疲れたし、トラは十分堪能したから遠慮しておくぜ。Volka, j'espère que dans les 3 départs, il y a toi et ITV. 今度はまた動物が活躍する予定なので、一応聞くが、そいつは逃げたりしねえだろうな。ああ、それはご安心ください。 あの子はうちの動物の中で一番賢い子なので、そんなことは絶対ありません。Le plus what the fuck du monde. Faudrait qu'on aille récupérer des PM. まさか熊に続いて虎とやり合うことになるとは、今度は違う動物でショーをすると言ってたな。 On me demande quel sera le prochain animal qui va nous envoyer sur la tronche, loyal. Hein. On va peut-être en profiter. On va aller. Il doit y avoir un resto pas loin. Pas du tout. Si, là. On va aller au café. Comment il s'appelle ce café? Le café Cécile. Et on va. Pardon. Attention, attention, disons. Il fait du spoil, je te parle plus jamais. Pourquoi il y a cet homme tout seul? Oh non, c'est un homme tout nu. Ah non, 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 je veux pas aller le voir. Je veux pas aller le voir. ちょっと痩せようかと思ってたからちょうどいいぜ。本当、ダイエットするのか。いや、実は。それファーグレッシー。大きくなっちまってな。このままじゃメタボコースだし、腹から引き締めていこうかと。それでしたら、私がお手伝いいたしますよ。ん？ダイエットメニューでも考えてくれるのか？ええ。まず炭水化物を断ちます。それだけでかなり変わりますよ。おにぎりやパン、麺類などは。 Ah, il est trop vénère, l'entrain pour le régime. Il voulait tirer dessus à l'arbalète. Ah, faudrait que je fasse pareil pour mon régime. Hein. C'est quoi ça? Ah oui, c'est Ichiban Holdings. Ah oui, c'est notre entreprise.
On va pas aller gérer l'entreprise maintenant, sinon on n'a pas fini. Aujourd'hui, on se concentre sur les quêtes secondaires. Hein. Poussière détectée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ignorais que Suji pouvait réagir aux humains. Plutôt gonflé de balancer ça à un inconnu. Mais en parlant de vêtements, qu'est-ce que c'est que cette blouse? Oh, toutes mes excuses. Je suis le professeur Okita, créateur de Suji. Oh, le créateur des Sujimon. C'est la quête la plus what the fuck, c'est un sort. D'accord. Je comprends mieux, mais c'est quoi ce fameux Suji? Pardon, jeune homme à tête hérissée, êtes-vous en train de me dire que vous ne connaissez pas les Suji? J'en ai entendu parler. Suji? Le robot aspirateur. Ah non, c'est pas les Sujimon. Le robot aspirateur au succès retentissant a déjà vendu plus de 5 millions d'unités. Je répète, jamais entendu parler. Mais quoi? Dire qu'il y a encore des personnes dans notre beau pays qui n'ont jamais entendu parler de notre Suji? Vous deviez vivre soit dans une grotte, soit en prison. Vous avez bien dit que ce truc était un robot aspirateur? Je savais même pas que ça existait. Notre époque est l'âge d'or des aspirateurs automatiques. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que Suji fasse briller de mille feux votre maison. Ce petit bout de ferraille, difficile. Mais attends, c'est ça que j'ai affronté dans... Attendez, ça, un off, j'avais affronté ça, un Suji, mais version géant, dans les égouts. Parce que j'avais fait le donjon des égouts juste pour un off pour Pex un peu. Mais what the fuck? Non mais je veux pas l'affronter. Hein. Difficile à imaginer, mais ça a l'air génial. Oh oh oh! Il a été très bien accueilli dans tout le Japon. D'ailleurs, je suis en train de concevoir un nouveau modèle de Suji, à la demande du gouvernement. Pourquoi me demanderez-vous? Eh bien, il commence à prendre l'accent allemand, ce mec. Eh bien, parce que ce nouveau modèle pourra nettoyer des villes entières. Des villes entières? Un petit truc comme ça? Non, 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 non! Nine, 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 nine! Ce petit modèle-là serait loin d'être suffisant pour nettoyer toute une ville. Oh non, je vais affronter le truc énorme, là. C'est pourquoi le nouveau modèle de Suji fera 4 mètres de large pour 1 mètre et demi de haut. Sa puissance d'aspiration sera 5 fois supérieure, sera 1000 fois supérieure au modèle actuel. Et je l'ai déjà affronté du coup, c'est bien ce truc. Un truc aussi énorme va tourner en ville, ça va pas faire peur aux gosses. Oh 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 oh, sûrement pas. J'implanterai des fonctionnalités supplémentaires pour que ce bon vieux Suji devienne le voisin préféré des habitants de Yokohama. D'accord. Toutefois, les subventions de l'État ne suffisent pas à couvrir les coûts. J'essaie actuellement de soulever des fonds de diverses organisations, mais c'est loin d'être facile. J'imagine que c'était pas donné de construire des robots de dernier cri. Mais franchement, ça me gênerait pas qu'on fasse briller les rues de cette ville. De combien avez-vous besoin? Voyons voir. En comptant l'argent de ma poche, je pense qu'un million de yens suffirait à couvrir les coûts. Un million? C'est pareil, vous avez quelque chose à offrir aux gens? Bien sûr, si vous investissez dans les fonds de projet et qu'ils génèrent du profit comme prévu, vous recevrez un bon dividende. Je vous autorise également à louer de nouveaux modèles Suji quand vous voudrez. Oh, un nouvel acolyte! Laissez-moi réfléchir, je vais voir ce que je peux éventuellement donner. J'imagine que ce ne sera pas à l'atteinte des bonnes chances à l'aéroport. Est-ce qu'on a des sous? Je crois pas qu'on ait les 1 million. Non, on les a pas. Du coup, il va falloir économiser 1 million de yens! Je voudrais le menu. Merci. J'ai des monstres à affronter. Oh putain, t'as la bonne ambiance. Putain, disons, j'ai pas stream. Moi j'en avais 6 millions quand il m'a parlé. Ouais, moi, le problème c'est que j'ai tout dépensé dans l'atelier. J'ai plus un pet de thunes. Bah, ça viendra. Allez, on y retourne. Le feu vert, laissez-moi passer! Ah! J'ai tout dépensé dans l'atelier. Pardon? Ah! Nani? Pardon. Putain, il faut que je récupère du PQ là! C'est ouf! Hein. Pour cette quête à la con! Je sais pas où en récupérer. C'est terrible.
C'est terrible, c'est affreux. Alors les bikers, on les fera un peu plus tard. On va faire ça. Senpai, arai mimashita? Soko de yatteru circus da. Ah, mita mita. Zenzen kitai shite nakatta kedo, annai omoshirokatta yo. Tora no tamanori toka, hajimete mita wa. Tada, ano danchou ni wa imaichi inatsuite nakatta na. Saigo no hou nante Tora ni mushi sarete ta shi. Ano circus da, kekkou hyouban ii mitai da na. Danchou wa. Le pire combat super long. まあ、熊の時もそんな感じでしたよ。そろそろ終わるみたいですし、最後にもう1回くらい見ておきたいな。休憩行ってきます。おい。持ち場離れる時はショベルのエンジン切ってけっていつも言ってんだろ。すぐ戻るんで大丈夫ですよ。どうせろくに休憩時間ないんだし。たく。愛想のね、新人でね。 Qu'est-ce que, pour que le combat il soit long, je me demande bien ce que je vais avoir dans la tronche. Je vais avoir la grue encore. Malin comme un singe. J'ai une petite idée du coup de ce qui va se passer. Les feuilles mystérieuses. Waouh, j'avais toujours rêvé. Tiens, mettons des graines de lys. Carottes mystérieuses. Allez, des radis. Et de l'ail. Allez, faisons le combat de toute une vie. J'étais dégoûté, disons. Ce matin, je voulais streamer. En plus, lundi en général, tu vois, j'ai pas mal de monde. Mais là, je l'avais dans le cul. Parce que du coup, j'ai dormi 3 heures. Hein. Quel enfer. Mesdames et messieurs, bienvenue au Grand Animal Circus. Nous allons devoir partir sous peu. Nous espérons donc que le spectacle vous plaira jusqu'à la fin. Oh, monsieur Kesuga, vous êtes de retour. Ouais. Alors, les affaires marchent du tonnerre, on dirait. Oui, merci, je n'avais jamais vu autant de spectateurs. Il parle toujours comme ça, de façon exagérée, monsieur. Ah ouais? Notre troupe n'est pas bien grande, c'est pour ça que nos spectacles sont à plus petite échelle. Tous ces spectateurs sont venus aujourd'hui après votre incroyable combat contre notre Catherine. C'est pas vraiment un spectacle. C'était moi qui mettais ma vie en danger pour remettre la bestiole dans sa cage. Oui, je sais, mais avouez que ça en valait la peine. Regardez-moi cette foule. Ça en valait la peine pour vous, peut-être. Et puis, votre cirque n'est pas censé reprendre la route. Vous partez pour une autre ville. Oui, c'est ce qui est prévu. C'est dommage vu le succès que nous avons ici. Mais d'autres fous nous attendent dans tout le pays. La vie dans un cirque est bien plus difficile que ça en a l'air. Et c'est pour ça que nous voulons toujours donner notre maximum que nous allions. J'espère que vous passerez un bon moment dans notre compagnie aujourd'hui. Le spectacle d'aujourd'hui présentera notre chimpanzé, Clara. C'est que des filles, ces animaux qui ont un chimpanzé. Qui est soulagé après l'ours attiré, je m'attendais à un animal encore plus féroce. Ah là là, monsieur Kazuga, vous ne devriez pas sous-estimer les chimpanzés. Clara est très intelligente, ce spectacle va vous prouver son intelligence et sa vivacité d'esprit. Elle a une mémoire assez exceptionnelle. Elle peut mémoriser pratiquement n'importe quoi d'un seul clin d'œil. Notamment les mouvements des mains répétées. Elle va prendre la grue. 100% qu'elle prend la grue. Je vois, un singe savant. Mais si elle est vraiment intelligente, vous croyez qu'elle pourrait voler la clé de la cage et se barrer avec? Je veux pas d'autres problèmes. Pas d'inquiétude, j'ai compris la leçon et j'ai installé un verrou à code. Mais il est con quoi? Déconné. Grâce à ça, plus de problème. Des clés perdues ou volées. Bon, j'imagine que c'est un pas dans la bonne direction. Même réaction. Allez, venez dire bonjour à Clara. Elle est adorable. Vous verrez. Quel nom. Elle a aussi pas mal de succès auprès des enfants. Maman, regarde, un singe. Oh oui, elle nous fait coucou. Comme c'est mignon. Vous voyez?
C'est pas la quadrille. C'est trop cool, elle grimpe super bien. Je veux savoir grimper avec elle. Ah oui, elle est aussi douée pour grimper aux arbres. Attendez, grimper aux arbres. Et merde. Clara s'est échappée. Et ça fait 3, pourquoi j'ai l'impression d'être dans une émission télévisée? Il mémorise parfaitement les mouvements de main, du coup j'ai mis un canard à code, mais il est trop con ce loyal. Bon sang, vous avez dit que cette fois ça irait. Ah non, c'est que le gars. Peut-être qu'elle a mémorisé le code de la serrure. Vous croyez, on dirait que vous avez sous-estimé votre chimpanzé. Quoi qu'il en soit, il faut l'attraper, elle est allée par là. Les cirques, c'est terminé. Plus jamais. Non, les cirques, c'est terminé, plus jamais. Quel enfer. Gros con, va. Salut, Morito. Morimoto. Mais ils sont trop cons! Mais il est trop con ce loyal! C'est pas possible! Quel enfer! J'en ai marre de Loyal. J'en ai marre de ce gros con. Faut plus qu'il ait d'animaux après ça. Faut plus qu'il ait... Je veux plus faire ses quêtes. C'est infernal. Il fait toujours les mêmes conneries. Bon, ça on en a déjà affronté un, ça devrait bien se passer. Ou pas. Comment ça va, Morimoto? Fait plaisir de te voir. Je voulais streamer ce matin aussi, mais... La fatigue m'a emporté. J'ai dormi 3 heures et Papy Tavernier avait besoin de dormir. Alors, attaque poivrée, non, il peut pas, évidemment. Frappe de couvert, ça m'a l'air mieux. Allez, on va le brûler, peut-être que ça va marcher. J'ai pris 10 minutes pour ce fight, c'était long et chiant. Ouais, t'inquiète, regarde, on va le bourriner. C'est vrai qu'il a pas mal de points de vie, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il pourrait faire le plus de dégâts? Super bien, merci, et toi? Ah, c'est lundi matin, ça fait mal. Non, mais c'est surtout qu'en fait, j'ai ma fille qui... Oh, les PV qu'il a. Ma fille, elle a fait plein de cauchemars. Elle s'est réveillée 4 fois dans la nuit. Du coup, juste envie que d'une chose, c'était de dormir. Hein. Vous savez quoi? On va utiliser le pouvoir des bébés. Des bébés géants. Mais ça va mieux du coup. J'ai fait une bonne sieste ce matin et je suis en pleine forme pour cet après-midi. Ah, ça arrive des fois. Ça arrive des fois. Elle est à l'école, donc ça va. Ça fait des explosions et tout. Allez, il perd de l'attaque, il perd de la défense. Et du coup, je vais pouvoir le bourrer comme Jaja. À point, ça m'a pas l'air d'être très efficace. Petite frappe au couvert. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger, couteau à peur, couteau à viande. Toi, tu m'as pas l'air de faire beaucoup de dégâts. Je peux rien faire. Est-ce que ça ferait pas mal de dégâts? Chargez! C'est nul là. Par contre, la baïonnette à la Banshee, ça c'est. De la Banshee, c'est efficace. Tout va bien.
Bon, du coup, on va réutiliser. On va utiliser souffle de flamme. Peut-être que ça fera plus de dégâts. Allumer le feu. Ah, pas tellement. Et surtout que ça fait des dégâts en groupe, en zone. C'est l'action du héros. Bon, du coup, le lancer des espèces. Non, c'est pas lancer. C'est le marteau tournoyant, c'est plus efficace. C'est long. Ah ouais, mais c'est le. De toute façon, c'est les combats de boss. Hein. On est déjà à la moitié là. Ça va aller vite. Hein. Aïe. Ninjutsu. C'est un ninja en fait. Ça va aller vite. Hein. Si j'utilise la gifle du fortuné, utilisant le pouvoir de l'argent. Allez, envole-toi, petit Akuma. Depuis hier, j'ai une musique en tête. C'est avec ma femme. Oula, non, pas, il a pris cher. Avec, on va peut-être le soigner. Avec ma femme, on écoutait les musiques des années 90. Il y a cette fameuse musique. Garçon, si t'enlèves la CD, ça fait gare au con, et gare au con, ma fille, gare au con, gare au con, gare au con, qui perd de la CD, di 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 di. Quel enfer! Ça date ça, ah bah ouais! Ah mais c'est de mes années ça. Disons il connaît pas. Disons il connaît pas. Non Tavernier. Si disons. Mais pourquoi elle a peur? Allez on l'a presque. Si disons. Si je connais mes noms. Ouais mais. Mais arrêtez d'avoir peur! C'est bon, voilà! C'est juste une grue qui essaie de vous attaquer, y a pas de raison d'avoir peur! Au bout d'un moment! D'autres des bons chanteurs! Et voilà! Chet! 300 000! Combien? 750 000 yens! Allez, plus que 250 000 et on est bon! C'est vrai qu'on se bat toujours avec des grues conduites par un singe, bah ouais, c'est bien connu. Vous avez appris la petite de job suivante, compassion du héros. PV plus 10 pour Adachi. C'est pas trop le cas de la grue par contre. Elle est en feu la grue. Les gens y regardent. Quand les employés ils vont revenir, ils vont voir rouge un peu. Et même du feu et des gens qui meurent, c'était incroyable. Quel enfer. Super. Il y a un truc qui brûle derrière. Tout est bien qui finit bien, oui. Après, s'ils ont laissé les clés sur la grue, ils sont cons aussi. Poupée du tourment. C'est génial. Mais c'est quoi ces cadeaux? Ils nous filent une médaille, une poupée. Non, mais.
この感謝っていうのは何度も助けていただいたからというだけではなくて、ここ数日私は春日さんのおかげで。En plus, c'est nul, c'est incroyable. Bon, après, il y avait 300 000 yens, quand même. Longue époque, この circus をやってきてはいましたが、それは動物の玉乗りや輪をくぐるとか、どこかで見たことあるようなものばかりだったので、普通のサーカスの域を超えられなかったんですよね。お客さんも笑ってはいるけど、心を揺さぶることまでは。On lui a montré une nouvelle façon de gérer le cirque. Par contre, ça va lui coûter cher s'il doit cramer des grues à chaque représentation. On dirait un scénario de Rambo, ça, cette histoire. Mais arrête de t'enjailler pour ça, espèce de gros con là. J'ai dû tabasser 3 de tes animaux et faire péter une grue. Aïe, trop con. Soka. Soko de orite onegai ga aru no desu ga. Zehi uchi no circus dan ni haitte itadakemasen ka? Tu la vois celle-là? Tu la vois, Loya, là? Casse-toi. カスガさんとうちの動物ちゃんたちがタッグを組んだらきっと最強です。いや、俺は俺だったらショベルカーとかも頑張って用意します。ロンとか組んで。あ、ダンプカーの方がいいですかね。いやいや、どっちもいらねえ。っていうか、俺はサーカスやらねえよ。君のレストラン切って、ポッシブル。 Mais pourquoi tu... Disons, on a déjà renommé SimCity dans Total War. Qu'est-ce que t'as avec SimCity? Oh, on peut employer Clara Chan. Ah oui, c'est trop bon ça. C'est bon, meilleure quête en fait. Ah bah tiens, on est juste à côté de notre quête. C'est parfait. Attendez, je fais juste un petit truc. Voilà. Elle est super forte. Elle est SR. Allez, next. Takasa, kangaerashite kudasai yo. Sou desu yo. Aite ga wari sugimasu tte. Taka. Ni wa warui kedo. Konkai wa bakero. Taka, ça veut pas dire aigle, si je dis pas de conneries. Ça a pas une connotation genre oiseau, aigle, si je dis, je crois. Hein. Ça veut dire connard. Ouais, non, ça veut pas dire connard. Connard, c'est plus. J'ai regardé sur Google. Ah bon? Ah non. Donc, un connard, le combattant, on va pas se laisser intimider par un connard de mafieux. Taka, c'est connard. Mais non, c'est plus Kisama, genre connard. C'est plus. C'est plus ça. Taka, c'est bien aigle. Merci, Morimoto. Chais, disons. Chais. Tu vois, tu veux encore me dire des conneries. Hein? Baka, ah voilà. C'est Baka pour. Mais Baka, ça veut pas dire idiot, plutôt. Disons. C'est pour toi. Voilà. Voilà. Ah ah. Non. Je te crois pas, disons. Tu mens. Tu mens comme tu respires. Tu mens. J'ai même pas lu l'histoire du coup. Il a pas confondu, il a fait exprès cet idiot. Ce Baka. Qu'est-ce que tu veux le vieux? On n'a pas le temps de t'aider. J'ai pas besoin de vous, je voulais juste vous dire que c'était une mauvaise idée de s'attaquer à l'alliance Omi.
Continue à faire les mal comme ça et vous serez les prochaines cibles. Tu sais, c'est pas parce qu'on regarde Google la traduction sur Google que c'est forcément vrai, tu sais. Quoi, tu nous as entendu? On comptait pas vraiment prononcer le nom de l'Alliance Omi, mais si c'est là, je reste ici sans rien faire, j'irai régler le problème tout seul. C'est quoi, c'est Onizuka, ce mec? C'est ça? Junpei est l'un des nôtres. Si je ne vais pas aider, qu'est-ce que ça te dit sur moi? Ce gars joue les gros bas, mais c'est évident qu'il est terrorisé. Enfin, j'étais pas mieux que lui. Je me suis frotté au Yakuza quand j'étais gamin. Et je me serais fait buter si Rakawa n'était pas intervenu. J'étais comme ça le gosse qui l'avait jamais vu de sa vie. Et il a quand même pris la peine de... Je vais aller sauver Junpei. On va l'aider. Je suis de la partie. Pourquoi tu veux venir? Non mais moi je suis d'accord avec Morimoto. En vrai, t'as qu'à se le dire faux, con. C'est nul. Non mais Morimoto, Zizon, il fait le gros troll là. Les Yakuza, ils en ont rien à foutre de vous, de votre famille. J'ai pigé, t'as peur des Yakuza toi aussi. Eh ben pas moi, t'as qu'un combattant, ne fuit jamais peu importe l'adversaire. Il est en train de te faire marcher là, Zizon, je le connais. Je le connais comme si je l'avais fait. Ce mec est un troll. Vous dites que des menteries. Parce que toi t'es plus malin peut-être. T'es qui d'abord? Je m'appelle Ichiban Kazuga. Un jour je me suis frotté au Yakuza et j'ai failli perdre le pays de ma vie. Heureusement pour moi, quelqu'un m'a sauvé la vie, la peau. Quelqu'un que je respecte énormément. Je n'arrive pas à la cheville d'Arakawa, mais je peux au moins éviter à ce gamin de vivre le même enfer. J'en ai rien à faire de tes histoires, le vieux. Je suis un être supérieur. Je lis plus. Je ne lis plus, disons. Moi non plus. Mais je ne peux pas faire autrement que m'impliquer quand j'ai vu cette détermination. Si tu continues comme ça, toi et tes potes allaient mal finir. Surtout si tu pars à l'attaque sans avoir de plan. Heureusement pour toi, le vieux est prêt à te donner un coup de main. À ta place, je refuserai pas des renforts. Et accepter de l'aide ne fait pas de toi une mauviette. Bon sang, c'est d'accord. Je dois reconnaître que j'ai jamais débarqué dans un bureau de Yakuza, alors j'étais pas trop sûr d'y aller arriver seul. Merci pour ta proposition, on commence ça même si c'est juste pour cette fois. Ravi de l'entendre. Taka? Vous l'avez entendu. Le vieux et moi, on va secourir Junpei. Vous défendez notre base. Si jamais je reviens pas, vous avez intérêt à faire honneur au Kaiser violet. Dis pas de choses pareilles, Taka! Alors je plaisante, bien sûr, je crois que je reviendrai. Papy, je sais que c'est un peu gonflé de ma part de dire ça, mais il faut qu'on se prépare avant d'y aller. Allez, on s'équipe et on part à l'attaque. Quoi, violet? Qu'est-ce qu'il dit? Perso, j'ai réussi Trot, contrairement à d'autres, et je sais jouer bandit. Non mais, alors bandit, déjà, j'avais un gros malus. C'est-à-dire que j'étais allié avec toi. Et Trot, des fois, le jeu, quand il veut pas, il veut pas. Et là, je tiens à dire que ma campagne avec Bédégar se passe très bien. Alors, canard, hein. Canard. Hein. D'ailleurs, j'ai acheté les... Oh, j'allais me faire attaquer. J'ai acheté l'extension des Norska. Quelle merde, je t'ai sauvé en plus. Oh, tu m'as mis dans le gouffre, hein. Oh là, c'était terrible. Hein. Je vais être au top de ma forme quand on ira sauver Junpei, toi aussi. Oui, mais c'est bon, je suis prêt, là. Mais putain! Mais moi! Mais Bélégar, c'est trop facile! Alors, Bélégar, c'est pas trop facile, hein! Alors, voilà! Alors là, je réfute! Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bombardement de fléchettes! T'as des monstres! Tu m'énerves avec tes monstres! Chien! Non, c'est pas facile, Bélégar. Il y a lui là. Voilà, un de moins. Les fameux gangs de motards. Lui, je me souviens que ce biker aguerri, quand on était au même niveau que lui, nous avait sacrément mis la misère quand même. On avait dû balancer 1 milliard d'acolytes sur sa tronche. C'est raté.
Et maintenant on le défonce. Allez, avant qu'il se relève. Boum. Les burnes. Bah, arrêtez de partir à l'autre bout. Ah, il faut que tout le monde soit en pleine forme, c'est ça que... Oh, mais qu'ils sont relous, faut aller se soigner. Bon, bah allons nous soigner. Quel enfer ce jeu. Ah, je pensais, tu sais quoi, Morimoto, je pensais que Baka, ça voulait plus dire genre idiot. Mais de toute façon, en vrai, c'est quand les mots japonais, selon comment tu les places, ça veut pas trop dire la même chose, non? Selon les phrases et selon les situations. Si je dis pas de conneries, non? Ou je dis de la merde. Baka, c'est comme fuck en anglais. D'accord. Je sais pas, parce que vu que je suis un weeb, quand je regarde les animés, quoi, t'as les meufs qui disent au mec, ouais, t'es un baka. Pour moi, plusieurs significations en fonction de comment tu dis la phrase. Ah ouais, voilà. Allez, on va se faire. Baka, ça veut dire t'avenir en péruvien, voilà l'anecdote. Mais tu me soulisons. Oh merde, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'on fait? Pareil que l'autre, il est parti tout seul. Hein. Oh. Avec leur grosse moto. Tout va bien, les mecs? Où est Taka? On a reçu un coup de fil de Junpei. Junpei? Je suppose que les Yakuza l'ont forcé à parler. Ils disaient qu'ils allaient tuer et ils nous suppliaient d'aider. Il avait l'air en sale état. Et dans le fond, on a entendu quelqu'un dire. Ne venez pas les mains vite. Mais pas c'est Taka. Il a pété les plombs, il est parti sur son vélo. Quel gros con. Quel baka. Kazuka, si on fait rien, Taka et Junpei vont tous les deux mourir. Je sais qu'on se connaît à peine, mais je vois personne d'autre qui pourrait nous aider. En fait, c'est un peu nous, Onizuka, j'ai l'impression. C'est bien, mais c'est pas pour autant qu'il faut foncer tête baissée sur Yakuza. Au point où j'en suis, autant aller au bout des choses. Merci beaucoup. Le bureau du Yakuza au retenu de Junpei se trouve à l'ouest de Central Street. Il y aura sûrement le vélo de Taka dans le coin. Allez, c'est parti. Là, c'est où? Ici? C'est si loin? On va faire les quêtes secondaires. Hein. On va pas s'éloigner encore. Faudrait que je récupère enfin... Alors déjà le taxi, parce que je n'ai pas débloqué ce taxi. Mais il faudrait que je récupère le papier toilette pour l'autre gars. Mettez-toi le char! Je sais que tu existes! Pas besoin de miauler. Je meurs de faim, tu m'as pas nourri depuis 2 minutes. Bien où? C'est quoi là déjà au-dessus? Ah oui, c'est ça. Allez, on joue. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça, disons. Je prends nos zoos. Ah ben. Laisse-moi tranquille. J'avais le bon formulaire au bon bureau. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est mon héros? Ça doit être mon client. C'est le moment de passer en mode hero. Hero 2. I need a hero 2. My RT7. Qu'est-ce qu'il a? C'est toi qui nous interromps en plein boulot? Alors essaie pas de nous donner des leçons abrutis. Allez, on a un petit chat. Et coucou. Miaou. Je meurs de faim. Donne-moi du thon. Alors, à niveau 32 quand même. Ah. La baïonnette de la Banshee. Le sorcier ténébreux. Ah, comme il s'est jeté par terre. Allumez le feu.
Ah, je pensais que ça allait toucher son le copain d'à côté, mais pas du tout en fait. Hein. Il dévoile une vidéo intime avec Nanba. Je vais pas pouvoir attaquer l'autre. Donc on va se contenter d'attaquer le maître du Kung Fu. Wow! Ninja! Ah, il a rien pu voler. Chef! Voilà, bim! Envole-toi! Et lui, on l'achève. Il ne reste plus que le gros. À point ou saignant? C'est l'heure de se faire bolosser. Il souffre des brûlures. Ouh, il a mis cher quand même. Hein. Perso, je préfère mort. En plein dans le dos. Merde, je sais pas soigner d'en bas. Il est trop fort. Lui, franchement, un combat, il est super fort. Tiens! Bien évidemment, tout ceci est non létal, je rappelle. Ce sont des battes en mousse, des cartes en carton. Il en manque un. Tiens, voilà. Ils ont pas pris de niveau. Incroyable. J'ai même cru que mon papier spécial sur Chinatown allait passer à la trappe. Merci beaucoup. Agent. Ceinture noire aluminium terme. Très bien. Allez, maintenant, on enchaîne. Quête secondaire ici. Par contre, je trouve que le jeu est bien plus joli de nuit. Avec toutes les lumières, ça rend vachement mieux quand même. Garçon, si tu perds la salie, ça fait gare au con, ma fille. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'en ai? J'en ai pas de ça. Enfin, en acheter un peu. Je suis désolé, j'ai ça en tête depuis hier, j'arrive pas à me l'enlever. Ah, c'est vrai qu'on doit acheter de l'équipement aussi. Mais mon argent, normalement, je dois le dépenser pour ma quête secondaire. C'est terrible. C'est terrible, mais Kazuga a besoin d'une nouvelle batte. Collectionneur d'équipement. Allez, tiens. Oui, le chat, je sais que tu existes. Miaou. Plus 7. C'est pas terrible, quand même. Juste plus 7. Mais laisse-moi tranquille! Qu'est-ce que c'est que ça? Veste tactique. Oh, ça coûte si cher. Mais tais-toi! Oh là là! Il aurait mis une côte de maille rouillée, mais normalement il y a une meilleure côte de maille. Ouais, il y a ça. Oh, le tank! C'est un tank sur pattes, lui, maintenant. Il y avait aussi des semelles. Hein. Est-ce que les semelles, ça augmente l'agilité? Pas terrible. Ils ont tous un truc. Ouais, ils ont tous un truc. Ok, allez, on enchaîne. Quelle secondaire! Alors, je ne sais pas ce qui nous attend ici. Je savais pas qu'il y avait un resto chinois ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vous présente mes plus petites excuses. Allez, toi aussi. Je te détourne. Oh, c'est des chinois, c'est pas des japonais, on peut faire l'accent. Hein. Ce type, il a raté une commande. Tel père, tel fils. Ah non, ce n'est pas la peine de vous excuser, ça peut arriver à n'importe qui de confondre le sel et le sucre. Non, pas vraiment. Non. Bah non, non. Non, non. Ne confondez pas le sel et le sucre. Hein. Non, c'est une erreur stupide, nous sommes vraiment confus. Tout le monde peut se tromper. Et le riz était quand même très bon, si ça peut vous rassurer. Continue comme ça, Yuta. À la prochaine. Ouf, merci. En fait, ça veut dire que je suis vraiment désolé, madame. Cette quête, elle m'a trop touché. À moi? Espèce d'imbécile!
Elle te pardonne uniquement parce que c'est une habituée. Quand est-ce que tu vas prendre sérieusement à faire la cuisine? C'est accent raciste quand même que je fais. C'est dégueulasse. Désolé, papa. Franchement, je ne pourrai jamais te léguer le restaurant si tu continues comme ça. Le fils est donc sincère au point d'affaire en familial. Ça doit être stressant. J'ouvrirai l'œil la prochaine fois que je passerai dans le coin. Ah, il faut que je m'en aille et que je revienne. C'est terrible. C'est terrible. Allons faire un quiz et revenons. Quand tu vois la voix de la fille, on dirait les inconnus avec Bioman. Je suis gentil et je suis poursuivi par un méchant. Ah merde! Je regardais! Putain! C'est terrible! Tiens. Boum! Par la technique des fléchettes! Il est au sol. Tiens. Voilà. Plus que 3. C'est clair. Ça me fait penser... Tain, il faudrait que je le soigne dans le bar un peu aussi. Hein. Effectivement, hein, ce sketch... Et pourquoi il vous poursuit? Mais parce que je suis gentil. Mais lui, il est quoi? Mais il est méchant. C'est très marrant ce sketch. Tu vas te soigner toi un peu. Hein. Hop là. Petit dodo et ça va mieux. Tiens. Bien évidemment, ceci est non létal. Allez, va l'achever. Ah, du bout du pied, il a envoyé le code. Et on l'achève. Ah, bah, il y a la quête. Bah, allons-y. Attendez, petite esquive sur le côté des méchants pavots. Hop là. Hop là, ninja. Merde. Oh, mais laissez-moi tranquille. Ah, il y a un perceur, on en a jamais affronté. C'est parfait. Oh, la violence qui est devenue. Alors on a un petit souffle de flamme en plein milieu. Ok, super, ça n'a touché qu'un seul. Hein. Ma vie est nulle. Ah, il y a encore mais du kung fu. Oh, il est niveau 23, ça va, on va le défoncer. Hein. Ok, en plein dans le dos. On va plutôt achever lui, on va plutôt attaquer lui. Elle. Ah, il a encore des points de vie. Ah non, c'est bon. Je veux faire la quête. Il paraît qu'elle est touchante. Tiens, mange mes louches. Merde, j'ai confondu. Terrible. Maître du Kung Fu attaque. Voilà. Super. Elle a pris un niveau. La dernière fois que je suis venu ici, ce père engueulait son fils. Ah mais c'est le fils. Mais... Ça sent les bisous cette histoire. Attendez. J'en ai pour 10 secondes. Elle vient bouffer. Eh oui, c'est bon. Mais...
Trop tard. Chat 1, tavernier 0. Il retourne. Mais non. Oui, on a vu qu'il y avait une bague. Oui, mais on l'a vu. Il est amoureux. Oh, si c'est pas mignon. Ah. L'amour n'a pas d'âge. Oh, ça va, 40 ans, c'est pas non plus. Oui, c'est peut-être parce que plus ça va et plus je me rapproche des 40 ans. Mais là, dans les 40 ans, lui est clairement plus jeune. Je crois qu'il avait trompé dans les pommes. Ah ben oui. Mais non. J'espère qu'il tombe dans les pommes. Après, moi je verrai ma fille de 20 ans qui sortira avec un mec de 40 ans. Je suis pas sûr que ça passerait quand même. Hein. Mais laisse-le vivre sa vie, par contre. Il a rien compris, Toko. Il a jamais vu Kung Fu Panda. Hein. Il sait pas quel est l'ingrédient secret. L'ingrédient secret, c'est l'amour.人生経験が言うたた全然違うだろう。言うたみたいな犯人前が釣り合うはずはねえ。もしかしたら遊ばれてるのかもしれねえ。考えすぎだと思うけどな。中須賀さん、こんなと頼むのも悪いんだけどよ。あいつに詳しい事情を聞いちゃくれねえか。え、俺が？俺、あんたの息子と面識もないんだぜ。 Il y a que moi qui peut demander ça à un parfait inconnu qu'il a rencontré dans la rue, c'est évident. Ça me l'a bien compliqué, mais je me vois mal rester dans les bras croisés après l'avoir... Bah, j'arrive pas à parler. Ok, j'accepte. Disons, tu dors. Ça fait 10 minutes que t'as pas parlé. Ouais, on t'aidera. Bon, on avait dit qu'on allait faire un questionnaire.
Bon, la dernière fois, on a réussi, grâce à mes talents, bien évidemment, à faire les maths. Maintenant, nous allons faire autre chose. C'est où? C'est là. École professionnelle. Oh, la quête, elle est revenue, mais je vais faire un questionnaire. Oh, il y a une autre quête ici. Ah oui, mais c'est là où il faut 1 million de yens. Terrible. Allez, va mieux. Poussez-vous. Vous allez voir, je vais réussir sans aucun problème. Oui, je souhaite passer un examen. La formation musicale. Je vous rappelle que j'ai fait de la musique. Parmi les noms suivants, lequel est celui d'une variété de violon considéré comme l'un des... Quoi? Vivaldi. Comment se nomme l'outil qui permet d'écouter, d'indiquer un certain tempo? Je dirais le mélodien. Parmi les œuvres suivantes, laquelle a été composée par Chopin? Chopin, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, c'était pas, il était un petit navire, hein. D'après mes sources, alors, c'était pas ça. Jugez pas. Ouais, c'est 26 minutes. Ouais, mais moi aussi, c'est ce que j'allais mettre. C'est ce que j'allais mettre. Parmi les œuvres suivantes, laquelle est le célèbre ballet de Piotr... Quoi? Le lac des cygnes. Et c'est ainsi que je perdis tous les droits de monétisation sur YouTube. Boléro. Franchement, j'ai aucun doute. Hein. C'est une victoire. J'étais persuadé que c'était bon. Alors là, j'ai hésité entre les deux là. On le saura. Le métronome. C'est pas pour la météo ça. Ah, je l'ai, d'accord, métronome. Ah mais oui, c'est ce fameux Pokémon. Il y a un Pokémon qui fait de la musique. Il s'appelle métronome. Je m'en souviens. La culture G qui t'absente. En 25 minutes, lac des cygnes. C'était la lettre à Edith. Oh, m'en fous, on l'a refait, je m'en fous. Le mec, il faut qu'il garde l'argent, mais il le dépense à tout va. Allez. Et c'est reparti. Je suis prêt. C'était le valse minute, évidemment. Parmi les noms suivants, lequel est une variété de violon considérée comme l'une des meilleures au monde? Le Stradivarius. Au moins, on apprend des choses, en vrai. Vous allez entendre un extrait musical. Ça, je reconnais, ça. C'est la SNCF. Bonjour. Nous vous informons que votre tatatante est actuellement de... 20h. Oui, tu joues jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 16h, Morimoto. Alors, je sais plus. Attends. Déjà, j'allais mettre hiver. Printemps. Printemps. C'est la délice, nous le savons bien évidemment. Et BOUM! Quel musicien a composé de célèbres œuvres telles que la Sonate au clair de lune, l'Ode aux joies ou la symphonie numéro 5, c'est Beethoven! Alors là, je suis sûr. Alors là, si on l'a pas,
Attention. Cette fois-ci, c'est une victoire. Yes. Yes. Aucun doute à ce sujet. Super. Tout bon. Oh. Po. Eh, attendez. Là, ça m'est... Easy. Le pire truc que je vais faire. Bon, allez, un dernier. Et on reste dans la musique du coup. 50 000, j'achète. C'est bon. Formation musicale de niveau 1. Pablo de Sarasate est un compositeur particulièrement connu pour quoi? Alors Pablo, déjà ça sonne espagnol, donc je dirais pas que c'est serbe. De suite on penserait à l'Espagne, Pablo de Sarasate, hein? Mais non, c'est Monténégro. Vous allez entendre un extrait musical. Alors je dirais que c'est la flûte enchantée, air de la reine de la nuit. Vous verrez. Par quel terme désigne-t-on deux... C'est la songe d'une nuit d'été. Merde. Par quelle merde désigne-t-on deux musiciens qui jouent simultanément un seul piano? Un piano! À quatre mains! Vous allez entendre un extrait musical. Alors moi, je dirais que c'est l'apprenti sorcier. Pour la simple et bonne raison que ça me fait penser à la musique de Mickey dans le film Orphée aux Enfers. Oui, c'est Orphée aux Enfers, c'est exactement ce que j'allais dire. Pour aider les musiciens à visualiser une œuvre, les compositeurs arrangent un peu une terminologie spécifique. Parmi les termes suivants, lequel indique qu'il faut jouer très très fort. Le fortissimo. Si, un poquito el fortissimo. Si. Et là, c'est al fortissimo. Merde! Ma cigarette. Je suis sûr que j'avais quasiment tout juste. Ça, vous voyez, c'est selon le mec qui... C'est selon le mec qui... Ah, c'est Espagne! Tu as échoué. Mais ça, ouais, c'est le correcteur. C'est comme le bac. Quand on n'a pas le bac, c'est à cause du correcteur. C'est parce qu'il a mal corrigé. C'est un peu comme la philo, ouais. Donc, il était espagnol. C'était le songe d'une nuit d'été. Putain, comment tu sais ça? Pablo est qu'à l'Espagne. Mais oui! Mais je me suis dit, c'est tellement évident que ça peut pas être ça. Ça pouvait pas être ça. Tu vois? Ouais. T'avais raison, c'était la... Putain, mais comment tu... Mais what the fuck? Comment ça... Piano 4 mains. Alors là. Ah! T'avais faux! Tu vois? J'allais mettre Cisco's Post là. Alors si on a perdu, c'est la faute. Bon, le disais, Simon, merde! Putain! Terrible, là, c'était ça. J'ai eu faux. Bah, vous savez quoi, on le refait. Allez, une dernière. C'est pas ça. Moi, ces quiz, ça m'amuse beaucoup trop. Formation musicale de niveau 1. Heureusement. Ouais, c'était bien fortissimo. Quel célèbre musicien est réputé pour avoir composé la flûte enchantée, le mariage de Figaro ou encore Don Giovanni? Alors déjà, ça sera pas Beethoven, hein, parce que Beethoven, ben non, on a déjà eu une question avec Beethoven, alors ça sera pas Beethoven, ça sera Mozart. Parmi les œuvres suivantes, laquelle... Quoi? Mais pourquoi ils refont pas les mêmes questions? Je demande le 50-50. Un compositeur italien, Macbeth, ça sonne... Macbeth, ça sonne anglais. Donc du coup, ce sera Faust.
Pablo de Sarasate. Alors, Pablo de Sarasate était un compositeur particulièrement connu pour Zingwatsumbradling. De quel pays était-il originaire? Évidemment, si vous ne savez pas, vous n'êtes qu'une bande de teubés, hein, je vais vous le dire, c'est l'Espagne. Vous allez entendre... Mais pourquoi c'est pas la même question? Salut Julius. Apprécie ce stream. Revolka. Tu te sens bien, Volka? Moi aussi. Moi, j'ai confiance en Julius. Julius, c'est des infos sûres. Hein. C'est des infos sûres, Julius. Il peut pas avoir faux. Non, mais c'est pas ça. Mais pourquoi t'as dit ça, alors? Eh oui! Oui! On l'a eu! Yes! Je bouge, je reviens si t'es toujours là. À bientôt. Merci Morimoto. À tout à l'heure si t'es encore là. Vous voyez, je savais que Julius aussi disait vrai. Je le savais. Ah, c'était Macbeth. Oh, terrible. Terrible. Cette culture qui est inexistante. Oh, Volka! Bon alors, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est vrai ou pas? Pour de vrai, hein? Pour de vrai, hein? Me dis pas de conneries si c'est pas vrai, hein? Est-ce qu'on a refait un dernier? Oui, oui. Mais c'est qui est pas là? Donne-moi des noms, je veux des noms. Culture générale. Vas-y, je dépense tout le monde, toute ma thune. Pour ça que je réussis toujours mes tests, on a rien à la chance. 3 départs. Et qui? Le pied est une unité de mesure qui tire son nom de la partie du corps. L'Asie a elle aussi recours à une unité de mesure liée au pied, le shako. Au Japon, à combien de centimètres? Morimoto, reviens! Morimoto! Oui, mais ça, Alex, on le savait. Je dirais parce qu'ils ont des petits pieds, 303 centimètres. À combien de mètres d'altitude culmine le Royal... George Bridge, l'un des emplacements de soirée estique plus populaire des États-Unis. Et évidemment que c'est 412 mètres, on le sait, mais mis en retraite, d'accord. Quel philosophe de la Grèce antique fut disciple de Socrate? Attendez, parce que ça je le sais. La théorie des formes. C'est pas possible de nier ça. Pythagore, c'est Pythagore. C'est pas Aristote. C'est Platon. Quelle était la base de mesure d'un livre? Quoi? Et ta chérie démissionne. Ah bon? Ma chérie? Qui? L'Everest est également appelé... J'ai pas de chérie, moi. Enfin, j'ai quoi, chérie, mais... Quelle est poussée la plus haute montagne? Hawaï! On a réussi! On est trop fort! Enfin, surtout Julius, mais... J'avais ma déduction, Cindy. Ah bon? Platon, le poids de farine consommé par personne et par jour. Hawaï. Oh! Julius, tu m'as menti! My bad. On s'en fout, on a réussi. On va aller faire une quête. Bah, de toute façon, en vrai, Volka, comme tu le sais, ils peuvent bien entendre, hein. Mais Platon, j'étais sûr à 100%. Mais ça, franchement, j'aurais dit Platon aussi. Hein. J'aurais moi aussi dit Platon, en vrai. L'histoire, ça me connaît. Oh,
Ah, c'est plus les philosophes. C'est jamais bien ça, moi, la philosophie. Hein. De toute façon, Volka, tu sais, ils peuvent vouloir forcer, mais jamais ils n'auront ma liberté. Vas-y, on achète des glaces. Vas-y, j'achète des gelées et du pudding. Attends, moi, Eric, je lui ai envoyé, j'espère pour toi. Mais de toute façon, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Moi je leur ai déjà dit si. Enfin, Eric il le sait. De toute façon, je lui avais déjà envoyé un message il y a un moment. Et il sait que je peux pas travailler deux jours. Donc. Le père de l'État voulait que je m'enseigne sur la relation de son fils. Comme si comme il n'y a pas de client, on parie tout indiqué. Hi. Oh oui, mais même s'ils sont sous-effectifs. Ils seront obligés d'embaucher des gens. Dans tous les cas, ils se débrouillent. Moi, hein. Ils le savent. On peut être en sous-effectif. On pourrait être 30 000 comme deux. Moi, dans tous les cas, je leur ai toujours dit, si j'ai fait croupier, c'est pour pas travailler de, c'est pour pas travailler. Je vais me proposer. Bah, tu pourrais, Julius. Mais le problème, c'est que tu habites un peu loin. Mais le problème, c'est que moi, je ne peux pas travailler le jour. Ils le savent. Au bout d'un moment, on est en sous-effectif, bah, il faut embaucher. Et j'ai un taf qui me plaît, en plus. Il faudrait que tu le commences, ton taf, de souci. Je m'appelle Kazuga. Ton père m'a parlé de toi. Chez N'est-ce pas, Julius? Je comprends, désolé. Il veut vous couler tout ça sur mon dos, n'est-ce pas? Après, il me dit pas de conneries, Volka, parce que je t'avoue que ça me stresse un peu la situation de savoir ça. Mais bon. Il se fait du souci pour toi, c'est tout. Personnellement, je pense que tu devrais vivre ta vie selon tes propres termes. Merci pour votre soutien. Parfois, mon père est un peu papa poule. Hein. Oh ben, c'est pas ma faute, mais je le sais que c'est pas ta faute. Ça veut simplement dire qu'il tient à toi, sinon, entre cette fille et toi, c'est du sérieux? Évidemment! Que c'est du sérieux. J'espère que notre relation aboutira à un mariage et à des beaux bébés. Je te comprends. Elle est comment, cette nana? Mademoiselle Mao est une cliente régulière depuis un moment. Elle venait souvent chez nous avec son ex-mari. Elle est divorcée alors? En effet. Ton mari se dévouait tellement à son travail qu'il n'avait jamais de moment à eux. Un peu à peu, un fossé s'est creusé entre eux et la flamme s'est éteinte. Je vois. Mademoiselle Mao a un sourire irrésistible. Elle a toujours été gentille avec moi dès notre première rencontre. Il y a un bout de temps maintenant. Pour être honnête, nous l'envoyons un peu comme une figure maternelle. Elle m'encourageait tout le temps. La mère de Yuta est morte quand il était petit. Le divorce n'a pas eu l'air facile. J'ai mis un point d'honneur à le soutenir pendant cette épreuve. Accent italien, japonais, vous aurez vu ça? Je voulais être prétend pour celle qu'Atodor était là pour moi. Je tenais à la rendre heureuse. Je devine la suite. Tu es tombé sous son charme à force d'en prendre soin d'elle. C'est une belle femme, je te la gorde. Hein. Quoi? Qu'est-ce que t'as contre mon accent, toi? Ok, tu l'as pas volé. Tu l'as pas volé. Volka, tu l'as pas volé. Ok? Hein? Ça prendra. La prochaine fois. Attention. Mais putain! Et l'autre, regardez-moi ce con là, il joue à Kerbal. Oh là là, il connaît pas les vrais jeux, c'est pas possible. Allez, on continue. Y'a pas eu de son. Quoi? Quoi ta gueule? Tiens. Quoi ta gueule? Hirosa. Allez, on voit le son. Quoi, toujours pas? Mais quel... Mais non. Pourquoi? Oh. Terrible, y'a plus les sons. Ah, c'est mieux. On s'en fout. Non, je veux pas passer. Mais non, chute. Ah d'accord, mon enfoiré. T'as pensé t'y? On dirait que tu sais très bien où tu vas. Qu'est-ce qui t'empêche d'en parler fièrement à ton père? Va lui faire chier. Je vous déteste. T'aimerais bien, mais j'ai peur qu'il pense que Mademoiselle Mao m'empêche de me concentrer sur la codine. Ou un truc de non. Vous avez du mal à communiquer ces derniers temps? Oui, il ne sait pas trop quoi faire.
Ses intentions sont louables, mais j'ai de la peine pour lui. Je pourrais peut-être lui donner des conseils. L'amour peut tout vaincre. Si on a mon avis, la clé, c'est le pouvoir de l'amour. Ben oui, on l'a vu dans Kung Fu Panda. L'ingrédient secret, c'est l'amour. Le pouvoir de l'amour. Et ouais, si tu arrives à prouver à ton père que c'est vraiment l'amour entre vous, il changera peut-être d'avis. Et comment je peux l'éprouver? Tu peux faire en sorte de l'embrasser langoureusement devant lui, peut-être. Pas question! J'en serais jamais capable s'il nous regarde! D'accord, d'accord. Si tu te maries avec elle, il faudra bien que tu y passes, mais bon, on va retrouver autre chose. Affûte tes compétences! T'inquiète de les fléchir pour la semaine avec le boulot, carrément, ouais. Vous avez tellement raison, mais je m'entraîne déjà tous les jours. Eh bien, si ça donne aucun résultat, peut-être que tu devrais suivre une formation spéciale. Ça pourrait être utile, non? Une formation spéciale? Ah, vous t'étais. Merci de conseil, Matakatoga. Tu as une idée? Oui, je vais m'entraîner dans un autre restaurant et mon père devra reconnaître que je suis devenu un vrai chef. Après, moi, Volka, j'ai proposé à Eric de travailler tout le vendredi entièrement, toute la journée et tout le dimanche. Donc après, je peux pas faire grand-chose après d'autre, hein, dans un autre restaurant. Je pense que je m'en fiche trop de mon père chez nous. Si je travaille ailleurs, ça me forcera à me débrouiller à apprendre. Ouais, c'est une bonne idée, tu vas aller où? À la tour Ayan, un resto à Chinatown. Il ne plaisante pas avec la nourriture tinoise. Je les supplierai de ma beauté, s'il le faut. Eh bien, avec une motivation pareille, ça m'étonnerait qu'ils te prennent pas. Cardément! En fait, il vaudrait mieux que mon père ne s'assure de tout ça. Vous saurez tenir votre langue. Avant que ce soit une surprise quand il verra mes progrès. Tu peux compter sur moi. Merci! J'ai hâte de voir ta tête. Il m'a levé tout ça de ta vie. J'espère que ce sera suffisant pour exprimer ma gratitude. Je ferai bien de retourner au restaurant. À la prochaine. C'est un beau gars, ce Yuta. Il prend son travail et sa vie sentimentale très au sérieux. J'annoncerai la bonne nouvelle à son père la prochaine fois que je le verrai. Attendez, il y a une nouvelle quête il y a une nouvelle quête ici. Il est très bien, mon accent. Il est très bien, mon accent. Eh ben, vous savez quoi? Devez parler comme ça tout le long. Vodka, à Eric de lui aider. Oui, il y en a un qui a un accent et pas l'autre. Ouais, mais parce que l'autre, j'ai oublié de lui faire. Va tout d'aider Eric, que tu pourrais travailler tout la tournée, le vendredi et le dimanche. Donc, du matin de tout quoi. Donc, t'y vas pas, bah, t'y vas pas. Nous, pas de problème, c'est pas nous qui avons tué ton frère. Quoi? Une caisse est débloquée! C'est le mec des examens! T'as tué mon frère Tan, de l'os! Tu vas mourir! Je sais très bien de quoi tu parles! Je sais très bien de quoi tu parles! Tu connais les boules de Noël? Tu arrêtes avec cet accent. Je rappelle que lui, il veut sortir avec elle, là. Et il est un peu timide. Mais sors avec elle, mon gros idiot là. Oh là là. Ah, c'est pas possible, ça, c'est jeune. Faut tout leur apprendre. Elle m'a fait comprendre rien du coup. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont bizarres. Ils sont bizarres, ces gens-là. Ce témoin est une. C'est Mio Kashi, savait combien de fois je me suis fait refuser. Elle ne s'approcherait plus de moi. Fallait pas? Ouais, entre nous, je me suis déjà fait refuser par 99 entreprises. La prochaine, ce sera ma 100e fois. Même avec tous tes diplômes, je pensais que tu pouvais faire ce que tu voulais. Eh bien, pas de problème au processus de sélection, mais après, il faut passer entretien et là, je bloque. Je n'arrive pas à me vendre spontanément à un inconnu. Peut-être que je manque de confiance en moi et ça me refroidit. Ça refroidit le recruteur. Toi, tu manques de confiance en toi?
T'es l'un des mecs les plus déterminés que je connais. C'est peut-être l'image que je donne de moi, mais en réalité, je suis très fragile. Et si je suis venu à Onohabara, c'est avant tout pour développer ma confiance. Chaque fois que je manque d'assurance, je regarde mes diplômes pour me rappeler que j'ai accompli quelque chose que je ne vaux pas rien. Mais sans ces bouts de papier, je ne suis rien. Ikari, tu vaux plus que tes diplômes. Tu as une motivation d'enfer. Attends, t'as même appris quelques trucs au crétin que je suis. Et si tu veux, on peut t'embaucher dans notre casino. Non? Alors sois pas si dur avec toi-même, d'accord? Tiens, 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 si c'est pas notre bon vieux pote, Ikari. Ça fait un bail, toujours à galérer pour trouver du taf. Tu connais ces types? On sort de la même université, mais contrairement à moi, ils ont réussi. Ils ont une carrière, eux. Oh, tu te rappelles de la fois où tu es... Non, je vais pas faire un accent allemand. Ça fait beaucoup d'accent allemand aujourd'hui. Tu te rappelles de la fois où tu es resté chialé devant l'entrée alors que... J'ai eu qu'à rentrer dans un centre d'entretien pour avoir le diplôme. C'est fou, il y a des gens qui postulent pendant des années sans rien trouver, alors que ceux qui comprennent comment ça marche obtiennent ce qu'ils veulent. Tu sais quoi? Comme je suis un mec super généreux, je pourrais te demander à mon boss de t'embaucher. Qu'est-ce que t'en dis? Vraiment? Ouais, laisse-moi réfléchir. Dans quel job tu ferais mieux que n'importe qui? Pourquoi pas un boulot où tu me torcherais le fion? Mais quel gros connard! T'as toujours été très appliqué et je suis sûr qu'après ton passage, on pourrait manger sur mon cul. Haha, merde, t'as raison. Peut-être que je devrais te présenter à mon boss pour que tu me torches aussi. J'espère que t'es multitâche. Vous ferez mieux de la fermer tous les deux. Mec, détends-toi. On essaie juste de rendre service. Tu vois, c'est ce qui me fout la rage. C'est pas parce que t'as suivi quelques cours que t'es à notre niveau. Peu importe tes capacités ou tes tentatives, tu seras toujours un loser. Maintenant, retourne à ta grotte et crève une bonne fois pour toutes. C'est clair, tu sais. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est vous deux. Je vais vous faire regretter d'avoir insulté mon pote comme ça. Je sais à qui tu parles au moins. Nos cartes visites valent plus que ton costard sorti d'une poubelle. Ah ouais, tu veux savoir combien valent vos cartes visites? À peu près que dalle, je dirais. Et puis n'importe quelle boîte assez stupide pour vous empêcher est condamnée à couler. Alors je vous propose de vous carrer vos cartes dans le fondement. Ça vous va? Connard prétentieux. Tu veux qu'on demande la différence entre les déchets et les boss? Tu vas comprendre ici maintenant. Ah! On va tellement les bolosser. C'est au niveau 17 en plus. Tiens! Bouffe! Ah! Il s'est fait taper par une fille! Oh, l'argent! Carnet vintage, on a récupéré. C'est génial! On a fini, monsieur l'élite de mes deux. Faut dire tout ce que j'ai dit, car il était juste à hauteur d'intelligence. C'est bon, ça a arrangé? うちの会社来たいんだな。俺が本当に人事に掛け合ってやるからさ。君みたいなクズを雇ってるような見る目がない会社。どうせすぐ潰れるよ。こっちから願い下げだ。ね、見え、さ、イカリ。クソ。いや。ワイ、せさ、かせぶ、レボルピョン。いいフレーズだったからね。使わせてもらったよ。 La bromance. Alors, il faut savoir que je dirige moi-même une entreprise et que je suis PDG. Alors, bon. Tengi de sérénité, mais c'est quoi ces objets nuls qui me filent? Et c'est quand tu veux que tu sors avec la gonzesse, hein? C'est bien ça, ça c'est la motivation, c'est bien carré. Ah bon? Ah! Ouais, mais tu sais pas, Volka, tu sais pas. T'inquiète pas. C'est un tout petit mini méga minime. Spoil, je suis sûr. C'est pas lié à la quête principale. Hein. Ne lis pas, Volka! Ferme les yeux! Ne lis pas! Ah
Je te dirai quand c'est fini. Ne lis rien là. Ne lis pas. Là c'est du spoil là. Ne lis toujours pas. Ferme les yeux. Écoute que le son mélodieux de ma voix. C'est bon. Tu peux relire. Mélodieux. Oh yes, on va pouvoir l'avoir. Ok, c'est bon, c'est fini. Le spoil est fini. Tu peux reprendre ton activité. Allez, on y retourne. Au moment où je te dis, non, c'est un mini spoil. Bam, il commence à balancer un gros spoil. Là. C'est terrible. Poussez-vous! Et fais attention en voiture au fait, Volka. Quand tu joues. Ça, il faut de l'argent. Ça, faut passer. On esquive. Je suis en train d'esquiver tous les combats. Je sais toujours pas qui il faut. En même temps, faut que j'arrête de te regarder. Eh oui, hein, en vrai. Bon, là, rassure-toi, je fais pas de quête principale. Trop tard, j'en ai déjà pris une des voitures. Après, là, c'est que de la quête secondaire, donc. Faut savoir où tu traînes ces derniers temps. Attends. Ayonta, on peut savoir où tu traînes ces derniers temps. Tu rentres à la maison plus tard que d'habitude. On est pas en particulier. Aucune raison de t'inquiéter, papa. Tu ne crois pas que tu as mieux à faire que de zoner avec tous ceux qui te restent à apprendre. Je ne t'entends pas. Ils sont dansés plus en camère, alors ça ressemble un peu. Pardon, je t'ai interdit de me parler de ce temps. Calmez-vous tous les deux. Mate Katoga. C'est bientôt l'heure, je dois y aller. Mate! Tu vas encore perdre du temps avec cette femme. Tu ne connais rien à la vie, espèce de petit ingrat. Allez-y, bolo avec lui. Il se moque complètement de moi et de ce restaurant. La cuisine sédoise. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est très subtil. Vous mettre des épices sur le riz. Ne pas en allant jouer les jolis cœurs qu'il deviendra un vrai chef. Je ne serai pas éternellement pour lui. Si continue comme ça, le restaurant va faire faillite et il finira à la rue. Comment pourrais-je regarder ma femme en face après ça? Elle mérite un meilleur père pour son fils. Yuta n'est pas le garçon que vous croyez. Cet établissement compte beaucoup pour lui. Et je suis censé vous croire, alors qu'il vient de partir fricoter avec cette garce. Ce n'est pas ce qu'il fait en ce moment, croyez-moi. Dans ton cas, où est-il parti? Suivez-moi. Vous allez apprendre la vérité. C'est la Torrent, ça. Vous connaissez? Je le connais. C'est un des restaurants les plus en vue des Arki. Qu'est-ce qu'il fabrique ici? El Nouveau, surveille ton angle de feu. S'il est trop fort, la nourriture perdra toute sa saveur. Émanue-toi avec la préparation de la vaisselle. La cuisine, c'est une course contre la montre. N'oublie jamais ça. Oui, Tef! Je ne comprendrai jamais ce garçon. Et vous s'entraînez dans un environnement encore plus strict dans l'espoir que vous l'acceptiez en fait. Allez, apporte tout ça en salle maintenant et que ça saute. Oui, Tef! Ils ont l'accent parce que c'est des Chinois, c'est pas des Japonais. C'est pour ça. Vous comprenez maintenant, il ne passe pas son temps à entraîner quand il n'est pas à la maison. Il prend son couple très au sérieux et il travaille dur pour se montrer à la hauteur de vos attentes. Il a peut-être encore des progrès à faire, mais il est loin d'être ingrat. Votre fils est vraiment quelqu'un de bien. Yuta, pourquoi m'en as-tu pas simplement parlé? Comment il pourrait? Il sait que vous êtes mon père, mais vous êtes dur avec lui, c'est sa surprise. Mais ne lui dites rien surtout, c'est pour son propre bien. Très bien. Venez, retournons chez vous, il ne faut pas qu'il nous voie. D'accord. Ah! Pardon Yuta, on dirait que je t'ai bousculé. Regarde où tu marches, ça coûte cher tout ça. Mince, je suis désolé. Oh, j'ai oublié de faire ça. Ça fait deux fois maintenant. Fais donc un peu attention. Mais c'est vous qui m'avez fait tomber. Quoi? Tu oses nous répondre sur ce ton? Oh, on dirait Dago18. C'est un autre streamer. C'est un copain à moi.
Non, écoutez-moi. Dépêche-toi de reprendre, sinon on va t'envoyer chercher les ingrédients dans notre place, aux punitions. Oui, Tef. Alors eux, ils vont se faire bolosser, ils le savent pas, ils savent pas comment. Abuser du Yuta comme ça. C'est ordure. Attendez. C'est qui ce guignol là? Traitez mon Yuta de la sorte et grassez de la nourriture en prime. Vous faites honte à la profession. Va chier, Védébris. Ça va? Alors c'est toi son paternel. Dans ce cas, passe le message d'autre part. Il s'enflamme pas comme ça alors qu'il connaît que dalle au métier. C'est tout ce qu'on veut, c'est se la couler douce. Ce gamin est une peste. Au moins lui, il prend son boulot à cœur. Vous deux, vous êtes des branleurs. Quoi? Des abrutis dans votre genre n'ont aucun droit de se moquer de Yuta. Cherche des embrouilles, mec. On dirait tellement d'agots. Se moquer de quelqu'un qui fait tout pour s'améliorer. Je déteste les gars comme vous. Ah ouais? Eh bien moi, s'il y a un truc qui me tape sur le système, c'est les donneurs de leçons comme toi. La baston. Ça va chier. Les 24, ils sont morts. Tiens! Ah! Allez, on l'achève. Hein. Ça, il ne restera que le chef Yajima. C'est chaud, ça brûle. Il est tellement mort, lui. Voilà. 10 000 yens. Merde, c'est pas rigolo ce type. Si vous touchez encore un cheval Yuta, je vous fourre un doggy bag dans le cul, pigé. On recommencera plus. Hein? Je leur ai demandé d'aller chercher plus d'ingrédients, où sont-ils passés? Merde, c'est Senpai. Il doit pas nous voir dans cet état. Vite, on se barre. Tout va bien? Oui, de quoi que c'est grave. Ils s'en prendront plus à lui. Je vous le garantis. Venez, on rentre. D'accord. T'es toujours là, Julius? Si t'es là, je voulais te demander un truc. Ouais? Tu joues toujours à Foxhole en ce moment ou pas du tout? Merci pour tout, monsieur Kazuga. Pas de quoi. Non, c'est vous qui avez tout fait. C'est le moins que je puisse faire. Tenez, c'est pour vous. On dirait qu'il commence à réfléchir en adulte. Et moi qui le voyais encore comme un gosse. Pas rejouer ces temps-ci, mais ouais. D'accord. Ouais, c'est pareil. Donc, je peux pas trop jouer de nuit. Je joue pas trop en soi. Je voulais qu'il devienne vite indépendant, mais peut-être que c'est bon. Oh, il faut pas que je parle en même temps qu'eux. Kasuga-san. Et j'ai l'impression que même Dédé il joue plus en ce moment. Bonjour Madame Jai. Bienvenue. お待たせしました。チャーハン2つ。レイフリー。なかなかうまそうじゃねえか。どうだかな。いただきます。結構いけるぜ、これ。砂糖と塩間違えるやつの料理とは思えねえよ。ちょっと成長したんじゃねえか、ユタ。ありがとうございます。 ああ、c'est bien. Et une quête de plus de terminer. Bienvenue Madame Jai, comment vas-tu? C'est la première fois que tu viens sur le stream, je crois, si je ne dis pas une bêtise. Allons faire la quête secondaire ici. Oh, on se fait un petit quiz. Allez, un dernier pour la route. Ouais Julius, il faudra qu'on se fasse un peu de Foxhole à l'occasion.
Et ouais, j'ai pas trop envie d'y jouer en ce moment. Je sais pas pourquoi. Je préfère, en fait, je préfère jouer avec vous tous, quoi. Ah, mais je voulais faire l'examen! C'est vrai qu'on l'a embauché. J'avais oublié. お言葉に甘えて。お前まだここに通うのか。ああ、資格取得は就活のためだけじゃない。自分を磨くためのものだからね。ライフワークだし、就活がどうなろうとやめるつもりはないよ。それに 愛する人もいるし。ね。え、いい、ラドラグ。イカリさん、何か言いましたか？いや、いや、いや、いや。faudrait peut-être lui demander un jour, hein. À force, elle va plus être célibataire, tu sais. Oh, la bromance. Vive la bromance. Ah d'accord. Je pensais qu'il aurait donné des nouvelles quêtes, mais en fait pas du tout. Allez, on va faire un petit examen. Ça m'amuse. Bah, c'est un examen. Alors... Maître des drapeaux. Faudra appeler Sheldon pour cette quête. Hein. Culture générale. Niveau plus 100 000 yens. Allez, j'espère que vous êtes au taquet. Hein. Là, il va falloir tout donner. Hein. C'est parti. Oh putain, j'ai plus d'argent. Je devais économiser. L'Everest est également appelé Shumuglin ou Sagarmatha. Est le plus haut. Et la plus haute des montagnes terrestres. Quel sommet vient juste après? Un volcan! Pourquoi tu dis aïe? F2. Comment se nomme l'étoile de magnitude primaire qui appartient à la constellation de la Lyre et est surnommée la Tisserand lors des fêtes des étoiles japonaises? Mais j'en sais rien, moi! Mais c'est quoi ces questions? Allez, dans le doute, c'est Deneb. Au Japon, les pièces et les billets sont fabriqués par deux entités distinctes. Les premières sont frappées par la monnaie du Japon, mais quel organisme s'occupe d'imprimer le second? Le gouvernement japonais. Quel est l'autre nom de l'étoile de magnitude secondaire communément appelée étoile polaire? Quoi? Ça c'est... Moi je dirais Polaris. Ça sonne bien pour Polaris. Qu'est-ce que vous en dites? Polaris ou Ornote Polaris? Volca? Tu dis quoi? 1, 2, 3? Peut-être. Ok. Lequel ses diplômes peut-on obtenir à l'école professionnelle de Nabara? Ah! Formation musicale au niveau 2. On l'a fait juste avant. Ah, attention, ah, c'est réussi. Cent mille yens. On doit voir un de juste et c'est tout. On en avait deux. Oh, on est ici près. Oh là là, terrible. Donc c'était Vega. Oh putain, il avait raison ce con. Il avait raison. Donc on retient Vega. L'agence de l'imprimerie nationale, Polaris, c'était bien Polaris. La formation musicale niveau 2. Je t'avais dit, putain, mais oui, mais c'était trop tard. Allez, une dernière. On y retourne. Je vais dépenser toute ma thune, mais je m'en fous.
Au Japon, une loi limite le nombre de pièces utilisables lors d'un paiement. Quoi ? Si jamais cette limite est dépassée, la personne qui reçoit le paiement est en droit de refuser. D'après cette loi, quelle est la limite de pièces utilisables pour une seule et même transaction ? Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette question ? Attends, ça devrait être 30 peut-être. 20 ? Allez. Quel jeu de plateau de l'Inde antique serait Pas sûr, hein. Quel jeu de plateau de l'Inde antique serait l'ancêtre des échecs et du shogi ? Le Chaturanga, ça sonne indien. Comment se nomme l'étoile de magnitude ? Ah, Vega ! Dans le conte du coupeur de bambou, un conte folklorique japonais, la belle princesse Kaguya naît d'une tige de bambou. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas un objet que le prince doit lui présenter afin d'épouser ? C'est pas un dragon, c'est pas une princesse dragon, Kaguya. Ça me parle. C'est pas un Karate Kid. Ah, je dirais une plume de phénix. Hein. Lequel de ces diplômes peut-on obtenir à l'école professionnelle ? Ah, formation musicale niveau 2. Bon, on en a deux de juste. Il suffit qu'on en ait piffé un troisième. Toi, ta référence Naruto. Ah, d'un Karate Kid. Allez, allez. Oui. Oui. On l'a eu. Alors, on fait pas les malins, hein. On fait pas les malins. Putain, on l'a eu. Incroyable. On a tout le monde. Incroyable! Tout était juste. Le pif! Le pif sur Chaturanga qui est passé! Et le vin, incroyable. Volka, tu as été incroyable. Je me disais, il me semblait que Kaguya, c'était une genre un truc comme une princesse dragon. Alors récupérer un joyeux issu du coup d'un dragon, c'est comme si je te demandais, Volka, ouais, tu me donnes, tu me coupes une oreille de quelqu'un d'autre et tu me la donnes, tu vois, ça me disait ça, c'est pour ça que j'ai mis ça. Formation musicale niveau 2, vous savez, Vegan était tombé dessus, incroyable. On est vraiment trop fort. La suite, une prochaine fois. Oh, c'est si loin! C'est si loin, mais il faut la faire. Allez, c'est parti! 1 km à pied, ça use, ça use. Y'a pas un taxi qui est pas loin? Si, y'a un qui est pas loin. Incroyable! Le tout juste! J'ai fait. Putain, mais j'espère qu'ils vont pas être relous au travail. Volka. Les pommes de terre. On va voir. Hein. Hé hey, j'ai réussi mon pari. J'avais fait 2 paris. J'avais parié que Brigitte allait être à la retraite, mais que Mimi allait être à la retraite aussi. J'en ai eu un sur deux au moins. Yes. Par contre, que Cindy se barre... Je suis étonné ça, tu sais quoi. Je crois que c'était pas loin d'aller voir. Ha ha ha!
Ok, on est au bon endroit. Vous êtes arrivé à destination. Je sais plus du tout quel quête c'était. Ah oui, c'était pour le mec, là, le motard. Ah, voilà, c'est là. Ça doit être la moto de Taka. Va falloir boucher. Ah ben là, ouais, du coup... Je ne paye sûrement à l'intérieur, alors finissons-en. Ah ben ça, c'est sûr que... Dans tous les cas, va falloir qu'ils embauchent. Bah, ils vont vite... À mon avis, ils vont vite trouver. C'est bien, c'est en rythme. Tu peux décliner autant que tu veux, j'en ai rien à foutre. Prends ça. Oh. Taka, arrêtez, vous allez le tuer. Si tu veux le sauver, dis à ton pote d'allonger, dis à tes potes d'allonger la monnaie. File-nous 20 millions et on oubliera toute cette histoire. Mais maniez-vous, sinon il faudra ajouter les intérêts. Bonjour, voilà les renforts. Désolé de vous faire attendre. J'imagine que c'est vous les Yakuza qui se jouent beaucoup trop sérieux avec des gamins. Et toi, t'es qui? Le vieux. T'as un pote à ces petits merdeux? En quelque sorte. Dans ce cas, tu sais ce qu'on veut, pas vrai? Ouais, vous voulez de l'oseille, c'est ça? Voilà. Pour des trous de balles comme vous qui s'éclatent à torturer les gosses, ça devrait suffire, non? Tu te crois malin, connard? Laisse tomber les dons. On vendra les organes de ces mômes sur le marché noir et puis basta. Là, on parle. Ils nous subiront les achevés quand on aura terminé avec eux. Vous êtes vraiment irrécupérables. Allez, les gars, personne d'ici ne sort vivant. Butez-les tous. C'est du niveau 26. On va utiliser les compétences là. Kagebuchi no taveni no jutsu. Bombardement de fléchettes. Technique de croupier. Tiens, il est encore au sol, voilà. C'est raté. C'est raté. Boum. Et sans forcer. Allez, vas-y, un coup de louche sur la tronche, on n'en parle plus. 15 000 yens, et elle prend un niveau, parfait. C'est comme ça qu'on fait. Bon, fais pas essouffler, on n'a eu aucune difficulté. Allez, jeune, on fout le camp d'ici. D'ailleurs, attends, est-ce que je peux faire un truc? Ah, je peux pas. Je te ferai passer en VIP, Volka. À l'occasion. Si j'y pense, je ferai ça tout à l'heure. Comme ça, si des fois, parce que des fois, ça peut m'arriver que je mette le chat en emote, s'il y a des gens qui sont trop relous. Et quand t'es en VIP, ça permet que tu puisses quand même parler. Hein. C'est parce que c'est mon Indo, Junpei. Ils sont trois. Oh la bande. Nouvelle acolyte.
ちょっと待て。俺はそんなこと。別に春日さんが名誉総長になったからって何かしてほしいってわけじゃねえんで、ただ今俺たちがこうしていられるのやっぱ迷惑っすかね。別に迷惑ってわけじゃん。もちろん俺らとぶっこんでいきたいっていうなら大歓迎です。感謝も用意。それは遠慮しておく。まあお飾りの名誉総長くらいならいいか。春日さん、おっしゃ決まりだ。俺らの名誉総長は勝つ。そして総長は変わらずこのぶっこみのタカがやらせてもらうんで、やらし。わお、une sacrée bande agitée ceux-là. Youpi. Une écharpe de l'épéiste. What is cool. Ah super, des nouveaux, des... Merde, un nouvel acolyte, c'est cool ça. On va les essayer. Je crois qu'on a fait toutes les quêtes secondaires qu'on avait à faire. Hein. Enfin, les quêtes de nuit. Il n'y en a pas d'autres. Si, il y a celle-là, mais ça, il faut 1 million de yens, donc on n'est pas prêt de les avoir encore. On va aller ici. Il faut les récupérer. Allez, si ! On va aller récupérer notre récompense, notre argent. En même temps, sur le, on va tester un petit combat. Non, pas eux par contre. Hein. Ils sont relous. On va faire un petit combat pour tester notre nouvelle acolyte. Il faut que j'aille rendre une quête où il y avait des chats à donner, à récupérer. Et avec cette quête, on récupérait de l'argent à la fin. Beaucoup d'argent. Donc on va aller faire ça. Je l'ai encore ou pas? Oh, je suis si loin. Et hop là! Esquive. En même temps, on esquive tous les combats nuls. 1 km à pied, ça use, ça use. 1 km à pied, ça use des souliers. Et des coffres en or. Il faudrait que j'arrive à ouvrir ces coffres en or quand même, hein, au bout d'un moment. Ah, on n'a pas débloqué ce taxi. Bah, débloquons-le. Ça, c'est chiant qu'il faille rentrer dans tous les taxis pour les débloquer. Ok, parfait. On a débloqué un taxi du coup sur le chemin. Là, j'avais déjà visité, à mon souvenir, ce coin. Il y avait plein d'objets à récupérer. Cours, Astérix! Cours! J'ai vu Astérix et Mission Cléopâtre. Tellement bien ce film. Meilleur film comique pour moi. Ah, un objet. Ah, mais je sais toujours pas qui l'est filé, ces sauts. Ça fait chier. J'en ai 1 milliard. Hein. Faut que je les échange. Mais. 白い馬も結構歩いてたとか。へえ。じゃあ白馬に乗った王子様ってのも本当にいるかもしれないな。今も昔もいるわけねえだろ。うわ、もてなさそうな白馬の王子なんて今外車に乗った都合のいいイケメンみたいなもんだろ。半純儀がいい車乗りゃ完成。今二もない。待ってください。私はそんなに都合よくありません。イケメンは否定しないんだ。 Saiko, elle est tellement à fond sur le dernier personnage qu'on a recruté. Non, il y a mieux quand même. Quoi? Non, mais. Oh non, il n'y a pas mieux. Pas mieux. Impossible. Il n'existe pas de meilleur film comique, que Astérix. Je réfute. Allez, on monte. Celui-là pour les chats. Miaou. Essayez d'apeur. Oh non, essayez d'apeur, c'est en dessous.
Après, c'est dans le même style, mais c'est en dessous. Je préfère Astérix. C'est plus récent. C'était un fer pour dénicher, il était bien planqué. Regarde-toi, Robson. Tous les deux, vous êtes. J'ai une idée. Je pense qu'il vous sera très utile, quoi. Eh bien, vous êtes occupé par tant de requêtes de part et d'autre. Certains étaient très exigeantes. Si un jour vous pensez qu'un chat pourrait vous aider, le petit Robinson répondra à l'appel, je le sais. Tant que vous préférez des chats aux chiens. 1 million de yens. Oh. Oh, on a un nouvel acolyte. Allez, mon petit Robinson, fais-moi un gros câlin pour fêter ton retour à la maison. Miaou. Il s'est rebarré. Oh. Psycho derrière. Sois pas jaloux. Oh, il fait le pépère. Il fait le beau. Oh, Robson, tu le préfères à moi? Vous faites pas trop d'idées. Mon petit Robson, pourquoi? Peut-être que c'est un signe, peut-être qu'il est temps pour moi de partir en voyage à la recherche de qui je suis vraiment. Mais qui va assurer la paix et la sécurité de la ville? Je suis sûr que Robson reviendra quand il verra ce dont vous êtes capable. Miaou! Vous avez raison, monsieur Grasgouga, je dois rester fort. Continuons à travailler ensemble pour la paix et la sécurité en ville. Parfait, on a récupéré 1 million de yens et un nouvel acolyte. Il faut les essayer. Il faut qu'on trouve des combats et qu'on les essaye tous les deux. Oh, il y a un coffre! Je l'avais pas vu. Un sac en coton. Pour les femmes qui ont du goût. Là, il y a des méchants. Alors, vous allez tous parer. Parce que je veux tester toutes mes nouvelles compétences. Mais évidemment, il attaque le seul qui n'est pas par, qui a pas paré. Il y a une mise à jour ou qui naissance trop classe. D'accord. Alors, on va commencer par utiliser les motards. Le chef d'un gang de bikers arrive à la rescousse sur son bolide. Insane Eroskin. Bon, on essayera ça à l'occasion. Le chat est pété. Je vais tester. D'abord le motard. Motard rugissant. Il a les flammes dans les yeux. Allumez le feu. Commotion du Kaiser. En fait, c'est Sanji de One Piece. Oh, il fait oula 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 oula. C'est tellement une référence à Jojo. Oh, enculé. Oh, il m'est cher. Oh, il fait oula 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 oula. C'est tellement une référence à Jojo Bizarre Aventure. Allez, on part. Maintenant, je veux tester le chat. À 50 000 quand même. Hein. Ah ouais. Hein. Admirez le célèbre chat en facétieux de la ville alors qu'il bondit toute griffe dehors sur ses victimes à la force d'un redoutable prédateur. Mais tais-toi, Zizon, arrête de faire le troll, putain! Demande un fort 10 sur 10. Ah, parce qu'on doit avoir tous les acolytes, je pense. Je pense qu'on les a tous, les acolytes. Ou alors on n'est pas loin. Le faux tigre sauvage urbain. Oh, il est trop mimi! Quoi? Super frappe, fille! Ah, mais il est vénère! Terrible! Oh! 1500 dégâts! Oh, mais il doit coûter tellement cher à utiliser! Attendez, il faut voir. Pas du tout. Jojo Bizarre Aventure, un des meilleurs mangas qui existent. Combien il coûte du coup? Alors on va frapper normalement. Putain, 1500 dégâts il a fait.
Il est trop puissant. C'est le meilleur acolyte en fait. Combien il coûte? 50 000. Un cocotte coûte plus cher quand même. Incroyable là. La puissance des chats. Allez, on va sauvegarder. Hop là. Bon, les amis. On va arrêter le stream sur ceci. Bonjour, retourne à Walking Dead, le meilleur jeu Free Kingdom. Ah, c'est marrant, Free Kingdom. C'est chouette. Hein. Bon, les amis, merci d'avoir regardé le stream Yakuza Like a Dragon. Je vais pas faire de raid parce que je présume que vous allez vous arrêter. Jolius et Nico et Volka. Merci d'avoir été présent en tout cas. Merci à Zizan, merci à Julius, merci à Volka, merci à Madame Jai qui est passée en coup de vent. Merci à Morimoto, du coup. Morimoto qui aime beaucoup Yakuza. Bref, prochain stream demain matin où on fait de la coop sur Vermintide 2 avec d'autres streamers, avec Miss Nogan, avec peut-être Furcot. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Et aussi avec le griffon enchaîné. Bon, on va s'enchaîner les trucs. Bisous, à demain au boulot. Oui, tout à fait, Volka, tout à fait. Bref, portez-vous bien. À très bientôt. Bisous tout le monde.